festival dit musique, mais aussi nourriture et boissons fraîches. Avec plus de 50 bars et stands, la restauration représente 20% des recettes totales du festival. Durant 16 jours, ce seront pas moins de 140 000 litres de bière qui seront consommés. Pour vous en rendre compte, on vous emmène assister à un déchargement des stocks dans l'entrepôt où repose une quantité astronomique de fûts de bière. De fûts est-ce qu'il y a ici? En termes de fûts, je sais pas. En termes de litres, nous on en passe 140 000 pendant le festival. Donc après, il faut diviser par 30. C'est la moyenne des fûts qu'on peut avoir à disposition. Donc 140 000 litres de bière consommés pendant le festival? Exactement, c'est une moyenne sur les trois dernières éditions ou en fonction du temps, ça dépend toujours un petit peu. Mais on tourne aussi entre 130 et 150 dans les plus grosses éditions. Ouais. Comment ça se passe le déchargement des stocks? Combien de personnes travaillent? Alors on a deux personnes la journée, deux personnes la nuit qui sont en charge des fûts, donc qui s'occupent de les livrer dans tous les bars, de les brancher, qui s'occupent après de les ramener tous les vides. Et on est livré tous les jours avec des camions qui arrivent avec du plein et qui repartent avec du vide parce que, comme vous pouvez le voir, on stocke sur un mur entier et avec ça on va tenir trois jours normalement. Donc combien de camions au total ? Il y en a deux par jour, donc on est, je pense, sur l'ensemble du festival, on fait à peu près une trentaine de camions juste pour la bière. Quoi. La vente de bière durant le festival représente quel pourcentage de la recette totale ? C'est quasiment 50%. On est à peu près à 50% du fait que nous, on voit qu'on passe énormément de vin, mais la bière reste quand même la boisson la plus consommée sur le festival, bien plus que tout ce qui est sans alcool en tout cas. On est sur 25 000 bouteilles de vin, mais comparé à tout ce qu'on passe en bière, c'est assez incroyable. Je pense que les gens s'hydratent beaucoup avec de la bière aujourd'hui et bien moins qu'avec de l'eau en tout cas. À demain pour une nouvelle vidéo. Santé !